je vais lui donner ma langue, il va la saisir. D'accord ? Ok, ça tout le monde connaît. Donc, normalement, à partir de là, moi je peux travailler pour sortir. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est compliqué. Donc du coup, je vais juste dégager un peu mon genou. Je vais sortir mon genou simplement. Mais lui, tiens fort. Il lâche plus. Là, tu vois, il a pris ma cheville. Je peux pas partir. Je vais prendre appui sur son épaule gauche. Je vais prendre appui sur ma main. Et là, je vais me mettre en position. Et on retrouve la position. Et là, boum, je bascule. Et j'enchaîne. Alors, tout de suite, je prends mon genou. Ouais, ouais, ouais. Comprenez bien qu'il faut absolument... faut pas y aller en force. Il faut absolument sortir le genou. Donc, si le genou ne sort pas, vous allez vous détruire les genoux. Il a saisi ma jambe. Ça arrive vraiment fréquemment. Hein, au départ, il a la jambe et la cuisse. Première chose, voilà, sortir un peu le genou. Il sort, donc là je bastonne un peu, mais voilà. Et là je ne peux pas aller plus loin. Là il verrouille vraiment. Je garde le contact très haut pour ne pas me faire renverser. Je prends appui sur ma main gauche toujours pour ne pas me faire renverser. Et là je vais sortir les hanches et je me retrouve en position comme on était tout à l'heure. Je saisis, je fais mon travail de physio. Après, il y a deux autres qui sont très sympas. Que jujitsu, hein. Pas judo. Vous voulez essayer ou passer à la suite? On a encore remonté une fois parce que je vois qu'il y en a qui avaient les grands yeux. Jujitsu ou JJB, hein, vous avez dit. J'ai laissé traîner la jambe. Ça va? Je saisis, je sors le genou. Je viens saisir son épaule, je viens prendre appui avec ma main. Et là, je monte les hanches. Encore une fois, ici. Et tout de suite, je viens saisir. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Okay.